Then if you down with the masses out through the night, dealing with people and feeling alright, don't look for trouble, don't shed no tears when all the light has gone. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Charlie Movie TV. Alors aujourd'hui, on prend la direction d'une commune qu'on n'a pas encore eu le temps de visiter. Il s'agit là de Saint-Laurent-Blangy pour un raid assez spécial. Plus de 150 équipes de 2 personnes, donc à peu près 300 personnes, étaient présentes pour ce raid. Alors il s'est organisé en 3 étapes. Il y avait tout d'abord de la course à pied. Il y avait ensuite un raid en VTT et pour terminer, du canoë. De quoi bien crever nos sportifs comme Pierre Carrette que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Impression sur cette course, comment ça s'est passé pour vous? Alors bonjour Charlie, eh ben, écoute, bien, enfin, le début a été très difficile. Bon, je pense qu'on est parti un peu vite là, sur les 5 km course à pied. J'ai voulu suivre mon garçon qui a 24 ans et bon, le rythme imposé était un petit peu élevé au départ. Après on s'est un petit peu repris sur le VTT, on a augmenté progressivement la cadence. Le canoë sur la fin, ça a été un petit peu laborieux. On a tourné un petit peu en rond au début, on a eu du mal à rester synchro pour pagayer. Ça a été un petit peu mieux après. Des moments où on a un petit peu envie d'abandonner, mais bon, on se dit que le but c'est d'arriver. Hein. Comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Bon, on l'a fait, on a fini, c'est bien. Mon garçon a un petit peu râlé parce que j'étais pas à sa hauteur. C'est vrai qu'il est plus jeune et il aurait été mieux avec un copain plus jeune. Mais bon, on a fini, c'est bien.